Bonsoir. Bienvenue au garage chez Steve Hill. Aujourd'hui à l'émission, je reçois un des groupes les plus populaires. C'est des excellents musiciens. Ils sont drôles. Bleu Jeans Bleu, ici dans mon garage à Béjoli. Ah ouais, donc, puis ah ouais, donc. Fait que Bleu Jeans, les voilà. On va aller le ouvrir. Sont là. Hey, les Blue Jeans Bleus! Ouais, ouais! Personne! Ouais. Bienvenue chez nous, les gars! Yes, sir! Content que vous soyez là! Ah, oui! C'est du bois de palette, ça? Non, ça, c'est du pain somalien, ça. Ils utilisent ça dans plein de studios, ça. J'étais sûr, c'était vraiment du bois de palette gratis. Ça a un petit peu un look rustique. C'est ben, pas lettre, là. C'est ça mais... qu'on va jouer? C'est... Ouais. Sur ce tapis-là, puis oui, oui, c'est... Tu vois, ça sonne bien. OK, fait qu'on va chercher notre stock, puis... Ben, j'ai les amplis. Vous amenez vos guitares, le drum, puis... On va aller chercher ça, les gars. Yes. On niaisera pas ici, parce que c'est... Oh, ça sent pas bon, hein? Chez nous, je suis vraiment content de vous avoir à mon émission. Je suis un grand fan. Au début, moi, j'avais vu votre album, puis je trouvais que vous aviez un look intéressant. J'ai acheté l'album pour ça, puis j'ai vraiment trippé ces tunes. Été de temps, je l'avais dans mon char, puis vous collez les tunes, vous voulez. En tout cas, dernier album, j'y connais toutes. C'est cool à entendre. Mon Steve Hounet, ça? Yes. OK. Bon, ben, check, on va faire Pop Sportif, OK? Parle-moi ça, mon livre. Yes! Elle était short, mais ça rentrait bien. Ça non, là, je vais t'expliquer quelque chose. C'était comme sur l'album. Ouais, c'est ça. Elle est courte sur l'album. On l'a fait courte ici aussi parce qu'on s'est fait dire par notre agent qu'on avait deux tunes à faire, c'est ça? Fait qu'on a dit on fait la plus vite puis la deuxième plus vite. Fait que la deuxième, on ferait peut-être. Veux-tu jouer un bowling, c'est cool pour toi? Comme ça, on serait débarrassé puis on pourrait faire le blabla plate après. Si, comme sur l'album? Ouais, direct comme sur l'album, mais si. Toi, t'allais nous faire des gin tonic à la place puis qu'on la jouait à 4, ça nous ferait du bien, peut-être un petit break. OK. C'est pas que t'es pas bon, mais on... On est meilleurs. OK. On va se tuner, gars, ça va être beau, celle-là. OK? Double les gin tonic, s'il te plaît, mon beau Steve. Okay? Avec bien de la glace. Faut pas me mettre de lime là-dedans. Ben, on a fait une première toune, ça a duré 20 secondes. Après ça, on arrive pour faire l'autre toune, puis il me dit « On va en faire tout seul, va donc nous faire des drinks à la place. » Ben voyons, non, je n'ai pas de drink à ça, là. Wow! Hey, il arrive dans notre chez garage. Chez nous, ça... J'ai envie de tout annuler, j'ai envie de tout arrêter ça, là. Je sens pas cool, c'est vraiment non. pas cool. Non, Claude non, Cobra non. m'a dit, là, je le trouve pas trippant. Non, non. Depuis que ça passe en direct de l'univers à tous les semaines, m'a dit, ça se prend pas pour de la merde. Hey. Ce look-là, ça vient de où, ça, ce look-là, Kyo, tu penses, toi? Ça vient de toi, aussi, ça vient de toi, ce look-là. Puis check bien, OK? Parce que c'est pas vrai qu'ils vont venir nous dire quoi faire dans notre garage. Chez nous. OK? Chez nous. Et c'est qu'il y a moi qui ai le droit de dire les affaires dans moi, OK? Puis là, là, tu vas aller leur montrer que depuis 25 ans, ici, au Québec, le denain, c'est toi, le king. OK? Check bien. Je t'ai préparé ça. La petite chemise en jeans, on a fait des bons shows avec cette petite chemise-là. Non, mais attends un peu. La patente. La cape en jeans. Tu l'as faite, B. Je l'ai faite. Oui, je l'ai faite. Puis là, c'est aujourd'hui que tu check vas mettre ça. C'est la classe. Puis que tu vas leur montrer c'est qui le king. Quadruple de neige.
Vas-y, mon beau bébé. C'est toi le meilleur. Hey, c'est-tu moi ou ça pue chez eux? Pour un daiquiri aux fraises, coconut bar, pour dormir collé, coconut motel, aku aku tropical bébé. Ah oui, au coconut bar. Quand il sera rendu tard, on traversera de l'autre bar. Au coconut motel avec son bar. C'est qui pourrait donc bien rêver mieux que le coconut motel and bar? Fait que ah oui, donc. Ah ouais, donc. Un, deux, trois, go! Tu savais bien que dans le sous-sol de l'église de Chesterville, il y avait un éclairage de midi et deux allées de qui? Alors pour inviter le gars qui faisait vibrer ton cœur de jeune fille, c'était l'endroit rêvé. Il n'était pas particulièrement viril, pas vraiment costaud, mais de toute ton équipe d'échecs, c'était des rideaux. Et la fin de semaine, vu que ça avait téléphone couché dans ton rideau, tu rêvais de l'appeler pour lui demander: veux-tu jouer à bowling ce soir? C'est le spécial clair de l'une disco couche tard. Une allée juste à vous, tu livres tes yeux doux qui se font dans le noir. Ow! Sur tes paupières, une poudre bleue. Tu t'assoirais dans le meilleur spot.
tu commanderais pis je t'arrange croche. Car tu avais cru comprendre que c'était sa sorte. Quand tu le voyais le midi pendant qu'il mange à son lunch. Et quand la liqueur aurait laissé ses traces. Dans son tuveur qui fait office de moustache. Tu l'embrasserais comme dans les vues. De ton amour il ne douterait plus. Tu l'épouserais à Niagara Falls. Vous auriez cette famille de ciao ciao. Si tu avais le courage de lui demander. De ta voix de miel dans le combiné. Veux-tu jouer à bowling, bowling ce soir. Veux-tu jouer à bowling. Votre amour ne prend pas le dallou. Cha cha. Oh. Oh. Oh yes, mon Stevie. Ah, tu l'as des doigts pareil, hein? Ouais, tu pourrais ouais. Quasiment faire ça comme job. Si tu continues de te pratiquer dans ton petit garage, là, ça. Yes. Hey, c'est pas tout. Moi, je t'ai soufflé, puis notre guitariste a une condition. S'il boit pas, il a soif. Ok, ouais. T'as-tu apporté nos gin tonics? Ouais, c'est Nancy qui les amène. Ouais, Nancy. Claude, dis-moi donc, Claude Cobra. Cobra. Cobra, ça vient de où, ça? Ouais, ça vient de l'animal, là, c'est... C'est-tu, c'est ton... Tu t'identifies à cet animal-là? Ouais, ouais, avec les cornes, la trompe, le poil. Yes, sir, yes, sir. Puis, Claude, avant de partir le bête, tu faisais quoi? Moi, je travaillais dans un bar. J'ai été aussi chauffeur de train. J'ai fait 12 ans d'une mine. J'ai aussi été professeur, j'étais comptable avant. Okay. J'ai fait de la chirurgie cardiaque. Ok, t'es quand même. Par les fins de semaine. Ok, bon. Écoute, une vie bien remplie. Ah ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Ben, c'était d'un tournoi de bingo à un moment donné. Okay. Je jouais. Et puis, ben, le groupe qui jouait, je trouvais que c'était ordinaire. Puis là, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais m'en partir un. Là. OK. Puis c'est de même, après ça, t'as passé des auditions pour les gars ou... Non, ils jouaient au bingo à côté de moi. OK. Ils ont perdu eux autres aussi. Fait okay. Fait que le timing était bon. Ah, c'était excellent. Ouais, OK. Ouais. Puis là, vous avez tout. Ça marche bien, vos affaires. Dis-moi donc, parce que, tu sais, après toutes ces carrières-là, tu te lances dans la musique, puis vous avez quand même fait une couple d'albums avant de connaître le succès. Puis Coton Ouaté est arrivé, là, ça fait quoi? Tu sais, tu vas à l'épicerie, tu te fais reconnaître, tu vas au garage, le gars, finalement, il te parle, puis il est rendu fin avec toi. Il y a de ça. Mettons, je m'en vais m'acheter du poulet après ça, et je le prends plus épais. Tu le prends dessus. Le plus blanc possible. Tu me comprends. Ouais, je comprends. Ben, je connais mon poulet braisé, tu sais. Yes. Une tranche de blé. Moi, je dis même pas l'épaisseur. Je le mime. Ouais. C'est toujours de mimer son poulet braisé. Préférerais-tu prendre le train avec José Lito Michaud, avec cheveux ou sans cheveux? Sans. OK. Attends. Les gars, êtes-vous big au Japon? T'as pas idée. Quoi? T'es-tu déjà allé? Non, moi... Moi, je suis pas big au Japon. Ouais. Si t'étais déjà allé, je t'aurais dit d'autres choses. C'est bon. Tu sais pas. Il y a Wayne là-bas. Wayne, la première fois que je t'ai rencontré, on t'appelait tout Wayne, mais là, depuis... Aujourd'hui, tout le monde t'appelle Drain. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les gars sont bien drainés. Hein? Puis, les gars, juste dans même, là, tu sais, l'inspiration du look jeans. Ben oui, c'est ça. Comment c'est venu, mettons? On a regardé du monde qui jouait en jeans, mettons, avec une guitare.
les cheveux longs, ça joue du blues, puis ça lui faisait pas bien. On s'est dit, si nous autres on le fait, peut-être ça va être beau à un moment donné, je sais pas, tu sais, redorer l'image du James, là. Là, Cobra, je suis tanné, là. On va régler les affaires, mais on va les régler en musique, là. Ça va faire le niaisage. On va se pogner. On va se pogner. Enlève ta cape de fraîchier, là, puis quand je vais avoir fini mon drink, on se pogne. On va être bien testé. Away-do, puis surtout, away-do! On m'a laissé finir le drink, puis... As-tu quelque chose à souder? T'as l'air d'avoir quelque chose à souder. Ben moi quand j'ai quelque chose à souder, j'appelle Marc Boucher. J'ai soudure, puis je lis, oui. Fait que away do, et puis away do, et surtout away do. Bon, donc pour notre duel musical, nous ferons Y a-tu des beaux pépés? Prends-moi ça mon Lille. Mettre des mousses en dessous de mes pattes de lit, il y a quand même des vibrations. Et là, Steve, faut vraiment qu'on te dise de quoi, là. Ah non, c'est le voisin. C'est quoi, ça? J'ai fait un deal avec le voisin. Il y a une ligne directe quand il y a trop de bruit, il appelle. Réponds, puis dis qu'on a presque fini. Passe-moi les voir. Chris qui est fatigué. Hello? Il va falloir que vous baissiez le son de la musique, parce que moi, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de contacter la police. Ben là, excusez, mais ça doit pas être si fort que ça. Le studio ici a été designé par des ingénieurs d'Oxford. Il y a pas de bruit qui sort de là, là. C'est pas la voix de Steve Hill, ça. C'est vous êtes pas Monsieur Hill. Vous êtes qui, vous? Non, c'est Claude Cobra, le Jinx Blue. Monsieur Cobra, moi, j'aime beaucoup, beaucoup votre musique qui passe dans le poste de radio. Tant qu'à faire, ça vous tenterait-tu de me jouer votre chanson populaire, là, Corde du Roi, Calfeutré? Ah, ouais. OK, bye-bye. Yes. Il est fâché, lui. Ah, on a... Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait qu'on faisait trop de bruit, là, puis c'est pour ça qu'il a appelé, mais là, finalement, quand il a vu que c'était moi, il a demandé coton ouaté. Ben oui, pour tout son chiolage, pour faire une demande spéciale. C'est vrai, hein? Il vous connaît? Ben, ça a l'air que oui. Mais là, nous autres, fallait qu'on se livre. Si on veut se faire plaisir, mon beau Steve, là, on fera pas coton ouaté.
Pas que ça ne fait pas plaisir, mais là, là, on aimerait ça se gâter. Parce que chez Blue Jeans Blue Enterprise, on est des gros fans de Steve Hill. Ouais. Ouais. Oh, ouais, oh, ouais. Là, mon beau bras, on se fait-tu plaisir, puis on joue NASA Made. Ta toune de 2007, là, t'en souviens-tu? Ouais, je m'en souviens, c'est moi qui l'ai faite. Yes, on l'a fait. Ah, ouais, dedans. Vous la connaissez? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Okay, ouais, dedans. C'était un plaisir d'avoir Blue Jeans Bleu. On a eu beaucoup de plaisir. Nous autres, on s'en va au Coconut Bar. Yes, monsieur. Puis nous autres, on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Oh, 1, 2, 3, 4!